c'était hier. Moi et Peter dans les rues parisiennes. Florent et Étienne, les souvenirs sont réels. La fac alsacienne, l'amitié particulière. Ambassade georgienne, les fêtes jusqu'à la matinée. Les cours copiés, examen en droit de sûreté. 12 sur 20, une note acceptée. Surtout après une très lourde soirée. Énormément de petites clubs allumées. Coutume de l'ado avec des mille shots exagérés. On est tous devenus de profs de réalité. Chacun suit sa voie mais on est étroitement liés. Étienne, PSG, Natsem et son cabinet. La vie n'est pas simple, parfois il faut bosser. Moi aussi j'essaie de quitter le métier. Résoudre les problèmes des autres n'est pas le champ à kiffer. Mon truc avec la musique est plutôt un truc sensiblé. Le glamour des clips et des tentes de femmes blées. Tous les jours j'essaie de rester concentré sur les détails de ma vie privée. Je peux pas me plaindre, la vie me sourit à mon gré. 100% motivé avec les défis de mon passé. Ma dernière soirée a eu lieu il y a de longues années. Rester sobre est devenu mon truc préféré. La balle de tennis me garde en bonne santé. Un peu de basket me garantit la tranquillité. La vie est belle sans besoin d'exagérer. L'équilibre est vraiment difficile à gérer. Mais une fois c'est fait, le quotidien est maîtrisé. Que dire de ma fille vraiment la plus aimée? Elle met dans le sens de la vie, j'espère que vous me comprenez. Ça fait longtemps qu'on sait plus parler. Je sais pas si vous avez un gosse ou vous êtes marié. Le temps passe vite, il faut simplifier. Faire un petit détour des fêtes planifiées. Saint-Tropez, les belles vacances d'été. Sinon on va perdre de longues années d'amitié. La vie n'est pas sans fin même si je rêve de la perpétuité. Les miracles sont possibles, on sait vraiment jamais. Entre temps il faut veiller, ne pas trop voir le temps filer. J'attends les 40 années, je me sens comme l'ado du passé. J'ai longtemps pensé que j'aurais toujours 23 années. On s'en fout, ce qui compte c'est l'état d'esprit du guerrier. Tout ça n'est pas facile mais il faut continuer à se battre tous les jours, les défis ne sont pas simples à gérer. Beaucoup de choses ont été dites sur mon état de santé. On raconte que je suis pas normal et parfois vraiment taré. Allez vous faire foutre, je suis juste connecté aux planètes, les ondes et tout ce que contient cet univers. S'ils pensent que c'est mauvais, songez à leur quotidien. Tristesse, boulot et quelques rencontres amicales. Je ne compte pas critiquer mais jaser n'est pas vraiment génial. Qu'est-ce que ça leur donne lorsqu'ils parlent aussi mal? Le sentiment de jalousie est également souvent présent. Je vois que mon bonheur cause un désagrément. Je raconte plus rien car leur déception est banale. C'est pourquoi je me concentre sur mon nouvel album Fatal. Leur envie de me voir tomber complètement en fracas. Il s'agit pas du tout de chercher la gloire et devenir une star, mais ils me laissent vraiment plus un choix. Comme je disais à mon cousin, la compète est tellement grave qu'il faut sortir vainqueur s'ils vont continuer sans fin à raconter n'importe quoi, dénigrer, nier ma victoire. C'est pourquoi je dévoile mes meilleures cartes. Deux as que j'ai dans mes mains me rappellent les bons vieux temps. La fac de Strasbourg, les jeux de poker jusqu'au matin. Notre amitié est vraiment fondamentale. Voilà notre chanson, voit sa fin.